Mesdames et messieurs, honorables membres de la direction du parti, chers confrères, merci d'être encore là ce matin à l'invitation du SG du parti, qui a donc convié la presse à cette conférence de presse. Vous imaginez l'actualité, le thème va porter évidemment sur le retour du président Laurent Gbagbo. Le secrétaire général du FPI à ses côtés ce matin, l'honorable professeur Georges Armand Moyen, président de l'EDS, député de Yopougon et vice-président de l'Assemblée nationale. Juste à sa gauche, le ministre Léon Emmanuel Monnet, le coordonnateur général de l'organisation du retour du président Laurent Gbagbo. De l'autre côté, vous avez le professeur Hubert Oulaye, député de Diglo, président du groupe parlementaire EDS. À ses côtés, le ministre Danon Sébastien Kidjé, vice-président du FPI. Juste à la droite du professeur Oulaye, le ministre Katina Kone, vice-président et par ailleurs porte-parole du président Laurent Gbagbo. Et à côté de lui, l'ambassadeur Kone Boubacar, vice-président du FPI. Juste ici, à la gauche du ministre Léon Emmanuel Menet, vous avez la ministre Odette Sueli Kikwe, vice-présidente du FPI. La vice-présidente Assouma Juliette, vice-présidente du FPI. Tonton Ben Djibdjé Benjamin, que vous connaissez tous. Il est là également pour soutenir le Front Populaire Ivoirien. Camarade secrétaire général, sans plus tarder, vous le savez, il va d'abord donner lecture de ses propos liminaires et après nous passerons aux phases des questions. Le micro est à vous. Merci, monsieur le secrétaire général adjoint, responsable de la communication. Mesdames et messieurs, chers amis et journalistes, je vous remercie d'être là ce matin. Ce matin, mes propos liminaires ne vont pas prendre du temps. Juste vous faire un rappel historique et ensuite vous donner deux informations importantes. Le rappel d'abord historique. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance mon conseiller a dit je vais attention sur quelque chose. Mais je reprends. Le 4 décembre 2020, dès la délivrance de ses passeports diplomatiques et ordinaires, le président Laurent Gbagbo m'a immédiatement instruit à prendre contact avec les autorités ivoiriennes pour étudier avec celles-ci les conditions de son retour en Côte d'Ivoire dans la quiétude et en application des dispositions de la loi 2005-2001 du 16 juin 2005, portant statut d'ancien président de la République et d'ancien chef ou président d'institution nationale. 2005, donc, comme vous le voyez, c'est une loi que le président Laurent Gbagbo avait fait voter dans son temps. Certains demanderont pourquoi une telle loi. Parce que toute loi a des origines historiques. Il y a des conditions de vie exécrables pour certains anciens dignitaires du pays. Je ne les citerai pas, mais ils étaient dans des conditions difficiles. Comme vous le connaissez, c'est un homme de cœur, un homme qui vient toujours au secours des autres.
Donc, il a jugé utile de faire voter une telle loi pour protéger tous les anciens dignitaires du pays pour que cela retrouve une vie acceptable. C'est l'origine historique de cette loi qu'il a fait prendre et ainsi que les décrets d'application. Je poursuis. Le 7 décembre 2020, j'ai adressé un courrier de demande d'audience au Premier ministre d'alors, notre regretté M. Ahmed Bakayoko. Le 6 janvier 2021, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, entouré des ministres de la Sécurité et de la Réconciliation nationale, m'a reçu, marquant ainsi le début des discussions avec les autorités sur le retour du président Laurent Gbagbo. Le 24 février 2021, à l'occasion de la présentation officielle du Comité national d'accueil, j'ai informé l'opinion nationale et internationale que le président Laurent Gbagbo a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire en 8 mars 2021. Mais comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Malheureusement pour nous, le 10 mars 2021, la Côte d'Ivoire apprend avec stupeur le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Par respect pour le deuil national et avec la volonté d'y apporter notre pleine contribution, le retour du président Laurent Gbagbo a été reporté à une date ultérieure. Le 7 avril 2021. Oui, le 7 avril 2021. Retenez bien cette date. Le président Alassane Ouattara a déclaré au cours d'un conseil des ministres, et je cite, quant à M. Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Je continue, toujours. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Les dispositions seront également prises pour que M. Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux dispositions en vigueur, des avantages et des indemnités dues aux anciens présidents de la République de Côte d'Ivoire. Fin de citation. Le 3 mai 2021, sur instruction du président Ouattara, j'ai été reçu par le Premier ministre Hagi Patrick pour la reprise des discussions sur le retour du président Laurent Gbagbo. Depuis cette date, les échanges sont réguliers avec les autorités sur tous les aspects du retour du président Laurent Gbagbo dans le cadre de la loi. Monsieur le ministre Léon Monnet, merci à mes côtés, en tant que responsable du comité de coordination, a eu aussi des discussions. Nos responsables de sécurité et de mobilisation ont également eu des discussions pour préparer ce retour. Le 31 mai 2020, le président Laurent Gbagbo m'a demandé d'annoncer officiellement qu'il a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous informe, oui, je vous informe, que les discussions se poursuivent régulièrement pour faire avancer l'ensemble des dossiers. Aujourd'hui, je confirme solennellement que le président Laurent Gbagbo arrivera à Abidjan le jeudi 17 juin 2021. Par vol régulière venant de Bruxelles à 15h45 à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Mais une autre annonce, ça fait partie des annonces très importantes. Oui, très importantes. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Et il a autorisé que nous installions dans la cour des pavillons, la cour attenante, des bâches pour accueillir les notabilités qui voudront bien aller accueillir le président Laurent Gbagbo. Je voudrais donc, au nom de mes camarades du Front populaire du Mali, au nom de tous les sympathisants du président Laurent Gbagbo, remercier solennellement le président Alassane Ouattara pour ce geste qu'il vient de poser. Ce geste qui, pour nous, militants du Front populaire ivoirien, rentre dans la droite ligne que le président Laurent Gbagbo nous a demandé de suivre depuis janvier 2019, c'est-à-dire faire la réconciliation nationale entre les fils et les filles de ce pays. Mais nous espérons que les autres dispositions prévues par la loi seront prises, seront mises en œuvre, et c'est ça. Mesdames et messieurs les journalistes, merci pour votre attention.